Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Eh bien, salut, bienvenue pour ce troisième épisode sur les cales de mise à l'eau de la Vilaine. Donc, vous êtes nombreux à m'avoir plébiscité pour avoir ce dernier épisode. Je vais essayer donc de faire le tour des cales de Redon. Donc, on s'était arrêté à Redon la dernière fois. Je vous mets le lien là-haut sur la petite fiche de la vidéo de l'épisode numéro 2. Donc, on s'était arrêté à Redon, à la base nautique. Et là, nous voici partis. Donc, là, je suis du côté... Du côté 44, Loire-Atlantique, donc vers Frégréac. Donc comme d'habitude, dans la description, vous aurez les coordonnées des cales de mise à l'eau. Et la vidéo est segmentée donc par cale de mise à l'eau. Vous pouvez aller directement à la cale qui vous intéresse. Là. Voilà. Donc là, on est à Frégréac, pas très loin de Redon, hein, légèrement après Redon, quelques kilomètres seulement. Donc on a une cale qui est de bonne fabrication. On va aller voir ça maintenant. Allez, c'est parti. Donc voilà, on a une cale que j'ai pratiquée une seule fois. Hein, je ne viens pas trop de ce côté. En général, je suis plutôt de l'autre côté, moi. Donc on voit une belle cale en béton. Là, tout a été nettoyé. On a une belle cale en béton. Donc vous avez un système un peu de circuit. Vous pouvez faire le tour, hop, et après, vous n'avez plus qu'à reculer pour manœuvrer. Alors, faut savoir que le parking, bah là, il est occupé. Là, il y a quelques camping-cars. Par contre, l'hiver, je vois la fermeture, par exemple, c'est vite saturé. Hein, il y a beaucoup de voitures et de remorques. Je vous conseille de bien attacher votre remorque, comme d'habitude. Hein. Mettez un cadenas, quelque chose, pour empêcher le vol. Malheureusement, il y a toujours des vols, soit de pneus, soit de roues, soit de remorques, carrément. Hein. Mais là, on voit vraiment que c'est une... C'est une bonne cale, quoi. Donc, une bonne cale de mise à l'eau à conseiller. On est parti. On va aller donc à la cale suivante. Et cette fois, ça sera sur l'autre berge. Ça sera direction donc Rieux, au vestige du château là. Donc, c'est pas très loin. En fait, c'est pratiquement en face hein, quand on regarde bien. Et donc, on va continuer un petit peu le circuit. Donc, vous étonnez pas. Je vais peut-être changer de vêtements puisque cette vidéo sera réalisée sur plusieurs jours. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Voilà, alors là on arrive donc à la mise à l'eau de Rieux. Donc Rieux, une belle cale. Alors par contre, gros défaut, très courte. Et surtout, elle est vraiment dans l'axe du courant. Donc l'hiver, quand il y a beaucoup de courant, comme elle est très courte, elle peut être à sec. Et en plus, le défaut, c'est que votre barque se met tout de suite en travers, comme ça. Avant, il y avait des poteaux, mais bien sûr, ils ont été enlevés, comme d'habitude. Quand il y a quelque chose qui marche bien, il faut tout de suite l'enlever. Alors, ce que vous pouvez voir, par contre, c'est qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de parking. Ça, c'est bien. La zone de retournement, elle est grande. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi manœuvrer. Par contre, comme je disais, la cale, elle est courte. Voilà. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, le niveau il est haut, il est très haut là. Depuis quelques jours, on retient de l'eau sur la Vilaine. Mais d'habitude, en journée, ça peut vraiment baisser vous voyez, au niveau de la limite là, des herbiers. Voilà. Donc, si vous vous mettez à l'eau, il y a quand même un problème qui peut vous arriver. C'est l'hiver, il tire sur le barrage. Et vous pouvez arriver, la mise à l'eau va être complètement à sec. Et c'est une marche très franche. Donc vous serez très très embêté. Donc je vous déconseille cette mise à l'eau quand il y a beaucoup de jus, pour éviter les mauvaises surprises. Voilà. On est pratiquement pas très loin, presque en face de la mise à l'eau d'avant de Frégréac. Donc à noter quelques bateaux qui sont des postes pas trop mal pour la pêche. Hein. Ceux qui connaissent un peu le coin, il y a une belle fosse aussi. Voilà. Allez, on continue, on va à la suivante, c'est parti. Bon, nous voici arrivés à la mise à l'eau suivante. Donc là, on est au pont de Cran. C'est un pont qui se lève pour laisser passer les bateaux. Donc la mise à l'eau est juste à côté du pont. Hein. Donc je vous la laisse voir. Donc c'est une cale qui est pas mal. Mais
La pente est un peu faible, elle est un peu faiblarde. Donc ce qui fait qu'on est quand même obligé de reculer assez loin dans l'eau pour pouvoir mettre à l'eau des bateaux de 3-4 mètres. Mais comme je disais tout à l'heure, donc l'eau là est à un niveau très haut. Parce que là ils retiennent de l'eau. Alors que d'habitude ils lâchent tout comme des fous là. Mais bon voilà. Donc c'est une mise à l'eau que je vous déconseille l'hiver parce qu'elle est, elle est très courte. Bon, pour les bateaux bien sûr. Hein. Elle est très courte. On peut voir en fait elle s'arrête là où il y a le poteau, là où il y a le piquet. Donc après ça descend direct comme ça. Vous pouvez poser la remorque. Ça m'est arrivé une fois ici là. Poser la remorque derrière. J'ai vu un gars en flotte tube même tomber derrière le poteau là. Donc il faut éviter d'aller trop loin. Donc l'hiver pareil que la cale de Rieux avant. En fait, ce qui se passe, c'est quand il tire beaucoup de courant. Quand il lâche beaucoup d'eau au niveau du barrage d'Arzal qui est plus bas, la mise à l'eau est presque à sec. Donc quand vous pouvez arriver, le niveau peut être assez haut. Et comme c'est un phénomène de marée, il lâche de l'eau. Et le soir, vous arrivez pour remonter la barque, il n'y a plus d'eau au niveau de la cale. Donc vous vous retrouvez coincé. Donc c'est pour ça, il faut bien choisir vos cales de mise à l'eau l'hiver. Quoi. Voilà. Donc le défaut aussi de la cale, c'est que la zone de retournement en fait est directement sur la route. Donc il faut manœuvrer, puis alors pour se garer, en général on se gare un peu le long des deux côtés. Là, on a un grand parking, mais l'hiver des fois il est bien dégueulasse, bien boueux. Mais bon, ça le fait quoi. Donc nous voilà sur la cale suivante, donc nous sommes à la canne de Bégane. Bégane, donc toujours en Morbihan. Donc là on est au milieu du marais. Hein. Donc c'est une cale avec quelques bateaux en général en été. Voilà, il y en a pas mal aujourd'hui, il fait très beau. Et surtout en hiver, c'est très calme. Alors par contre, la cale est assez courte, mine de rien. C'est-à-dire que l'hiver, vous avez vite fait de la retrouver à sec. Donc à ce moment-là, on préférera aller sur la cale de Folleux, par exemple, qui est beaucoup plus longue, quoi, plus longue et plus renforcée, moins dérapante. Que ici, donc le problème, c'est que comme elle est assez courte, du coup, on se retrouve vite dans la vase. Donc, j'ai déjà vu quelques personnes être embêtées pour ressortir, puisque, comme je rappelle, hein, vous pouvez arriver, il y a le niveau d'eau qui est au maxi, et puis quand le barrage lâche, suivant les marées, et ben là, à ce moment-là, vous avez la cale qui est pratiquement à sec. Donc, je vais vous mettre une photo. Pour vous faire voir un peu à sec comment elle est. Donc à ce moment-là, je vous dis, il faut mieux aller sur Folleux, quoi. Hein. Voilà, donc voilà la cale. Donc c'est une bonne cale. Donc elle s'arrête pas très loin quand même. Donc comme j'ai dit, l'hiver, attention. Voilà, donc là c'est la cale du Ruello à Bégane. Bon, et bien me voilà arrivé à la cale de mise à l'eau de Folleux. Donc particularité ici, Folleux, donc il y a le port de Folleux. En face, donc on est côté 44 en face. Et il y a aussi une mise à l'eau. Vous voyez, donc elle est là-bas. Donc une mise à l'eau qui est à peu près la même que celle-ci. Hein. Donc la nôtre là qui nous intéresse, elle est très bien. C'est une des meilleures mises à l'eau du secteur, franchement. Donc l'hiver, il y a quand même beaucoup de monde qui vient là. Pourquoi ? Parce que les niveaux souvent sont bas et celle-là est quand même assez longue, mais bon, soyez méfiants quand même. Là aussi, il y en a quelques-uns qui sont tombés derrière la marche, donc il faut faire attention, ça va pas si loin que ça. Soyez prudents. Bon alors malheureusement, c'était une mise à l'eau qui allait très bien parce qu'il y avait un système circulaire, c'est-à-dire que on arrivait comme ça, on manœuvrait et hop, on était nickel. Et bien sûr, en France, y a un truc que j'ai remarqué, hein, je pense que vous avez remarqué la même chose, c'est quand quelque chose marche bien, et bien souvent, on l'arrête, voilà, tout simplement.
Donc là, finalement, pour le bar-restaurant, on a fermé la boucle qu'il y avait, qui était faite à la base pour les bateaux. Donc voilà, ils ont fermé ça, juste par prudence, je sais pas, enfin bref. Donc un bon système, et puis bah, qui tombe à l'eau, quoi, tout simplement. Donc quand vous manœuvrez ici, après pour aller se garer, ils ont fait un parking remorque qui est là-bas, là, derrière la capitainerie. Donc moi ça m'arrange pas trop, parce que si je viens pêcher tout seul, ça veut dire que je suis obligé de laisser tout mon bateau là, et d'aller là-bas et de laisser mes affaires donc ici, ce qui est quand même embêtant. Et puis là, bon bah là on voit aujourd'hui le problème, c'est que les gens ils se garent sur la cale de mise à l'eau, quoi. Donc il y a quand même du monde à venir, quoi. Donc il y a beaucoup de bateaux, donc je pense qu'il y a des gens aussi, des plaisanciers, quoi. Mais le fait d'avoir vraiment fermé la boucle là, qu'il y avait là, c'est vraiment une connerie, quoi, là on peut le dire, quoi. Enfin bon, voilà, en tout cas c'est une bonne cale de mise à l'eau, je vous la conseille comparée à d'autres, quoi. Voilà. Allez, let's go, direction la suivante. Il fait beau aujourd'hui, hein. C'est parti pour la suivante.